Ah, j'espère que Ryder va m'adopter aujourd'hui. Ryder! Ryder, ouvre-moi! Ah! Qui c'est? Ah! Ah, mais salut Cheese, comment tu vas? Oui, ça va bien et toi? Bah moi ça va, allez vas-y, entre. Oups, excuse-moi, entre, vas-y. J'ai une petite question, est-ce que je peux t'appeler mon petit papounet d'amour? Comment ça, de quoi tu parles? Mais j'ai envie que tu deviennes mon papa! Alors ça, non. Allez, s'il te plaît, je veux que tu m'adoptes! Non, mais ce que je pourrais faire en revanche, c'est que tu deviennes l'acolyte d'un de mes chiens. L'acolyte? Pour voir si tu es compétent déjà. Bah, bien sûr que oui, je suis compétent, je sais faire des vidéos, je sais taper, je sais faire de la cuisine, et je sais même... et je sais même dormir, hein. Bon, il n'y a aucun de mes chiens qui fait ça, je te rappelle. Alors attends, tes chiens, si je me rappelle bien, on a Chase, on a Marcus, Rocky, Ruben, Stella... En vrai, la liste est super longue. Oui, mais pour l'instant, je vais t'en faire tester que 4. J'ai déjà... Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est bon, je sais déjà comment te tester. Ok, du coup, je vais devenir l'acolyte de qui? Eh ben justement, je vais tester tout le monde, à part Stella. Oh, let's go! Bon, j'ai hâte de tester. On commence par qui? Allez, je suis sur du bleu, on va dire Chase. Sur Chase, let's go, ouais. Je vais devenir un policier. Attends, ça va être papa Chase, ça va être mon petit papounet d'amour. Ouais, enfin si tu rates, c'est foutu, hein. Eh, t'inquiète pas, je vais réussir. Moi, je peux dire que j'ai déjà arrêté des grands criminels. Je les ai mis dans les prisons les plus sécurisées au monde. Ouais, mais apparemment, ils se sont déjà échappés, hein. Bref, je vais te donner... Attends, laisse-moi chercher ça, je dois avoir ça dans ma poche. Il m'en a laissé un... Qu'est-ce que tu prends, là? Tiens. Un gun? Oh, let's go! Que personne ne bouge! Ici, oh, c'est moi qui fais la loi, ok? C'est pas un jouet. Eh, oublie pas, papa, que je suis un policier à présent. Donc fais pas le malin, sinon je t'arrête. Ok, papa, c'est bon, j'arrête. Ne joue pas avec les pistolets, surtout que moi, je suis pas un criminel. Je sauve des gens grâce à mes chiens, d'ailleurs. Oui, bah, moi aussi, je suis pas un criminel. Je suis là juste pour jouer. Sauf que là... Tu menaces un humain, tu menaces un civil, et c'est très grave. Alors, fais pas mumuse avec, d'accord? Ok, bon. Désolé papa, ça se reproduira plus. C'est bien. Par contre, arrête de m'appeler papa pour l'instant, y a rien du tout. Je vais d'abord voir si t'es compétent dans un des domaines. Ok, c'est parti. Allez, c'est quoi le test numéro 1 du coup? Ce qu'on va faire, c'est que je vais cambrioler une maison. Quoi? Tu vas cambrioler une maison? Mais papa, t'es complètement malade! Prévu à l'avance, c'est un de mes amis, je lui ai déjà demandé par message quand tu m'as proposé de faire ça, t'inquiète. Je vais faussement cambrioler une maison, évidemment. Et en sortant, il va falloir que tu m'interpelles et que tu m'arrêtes tel un vrai policier. Et si je trouve que c'est compétent, dans ce cas-là, tu auras réussi l'épreuve. En revanche, si c'est pas compétent, bah t'es foutu. Épreuve suivante. Ça fonctionne, papa, tu vas voir, mes capacités sont les meilleures, je suis le meilleur des policiers. Tu verras, je vais être l'acolyte de Chase et en plus de ça... Ça va me faire extrêmement plaisir, parce que Chase, je l'aime énormément, quoi! Ouais, ça, je l'avais bien vu. Alors, les capacités demandées dans cette épreuve, il y en a 3. Oui, c'est lesquelles? Rapidité. Oui. Courage. Et repérage. Ça marche. Allez, je te laisse cambrioler et tu vas voir que je vais être le meilleur des policiers. Bon. Je vais m'attaquer à la maison de Peppa Pig. Ok, ça marche. Bon, bah, vous les amis, juste dis-moi dans l'espace commentaire quel est votre personnage préféré parmi la patte patrouille. Donc, si c'est Chase, dites-moi si c'est Chase. Si c'est Marcus, bah, dites-le moi. Moi, mon préféré, c'est Chase. Allez, c'est parti. Donc là, on va voir Ryder cambrioler la maison. Bon, regardez. Il est en train de cambrioler la maison. Et je vais devoir l'interpeller devant la maison. Ok, faut que je me cache là. Hop. Hop là, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Et ça, c'est à moi. Ouh, elle est riche, cette Peppa Pig. Où est-ce qu'il est? Parti. Oh, que personne ne bouge! Au nom de la loi, je vous arrête! Hop là, je m'enfuis. Salut, salut! Hé, Ryder! Il faut que t'arrêtes de courir, sinon je te tire dessus! Ouais, c'est déjà pas trop mal, au moins t'es rapide. Eh ouais, je t'avais dit que j'étais trop rapide, et hey! Oh là, c'est pas très bon du tout, là, ce que tu viens de faire. Là, j'aurais eu le temps de me barrer et de t'assommer même. Bah, pourquoi tu dis ça, Ryder? Oublie pas que je suis un cambrioleur, là. Bah, voilà, bah, tu bouges plus, c'est tout, tu bouges plus. Non, non, mais t'as enlevé ton pistolet. Ah, mince. J'aurais eu le temps de te taper. Ah, du coup, j'ai raté mon épreuve. Ah, là, t'as totalement raté, oui, je vais reposer ce qu'il y a à faire. T'as totalement raté.
pour Ave. Oh non, je suis dégoûté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, je me fais pas adopter par la patte patrouille? Bah pas par Chase, en tout cas. Oh non, je suis dégoûté. Chase ne veut pas m'accepter parce que je crois que je suis nul en tant que policier. En même temps, c'est la première fois que j'arrête quelqu'un. Ouais, j'avoue. Bon, épreuve suivante. Disons que le toit de Peppa Pig est rouge, on va passer sur du Marcus. Marcus? Oh, Marcus, mais oui, le pompier! Oh, je peux dire que moi, je sais arrêter des feux, regarde. Tu mets du feu ici, et j'ai juste à souffler dessus. Alors, trois compétences demandées dans cette épreuve. Courage, évidemment. Oui. Être résistant, parce qu'il ne faut pas tomber dans les pommes. Et également de la rapidité, encore une fois, pour éteindre les flammes. Bon, allez, je vais foutre le feu un peu partout. Mais t'inquiète pas, tu vas voir, je vais l'arrêter ton feu. C'est comme les bougies d'anniversaire. Moi, je souffle et je peux vous dire que toutes les bougies, d'ailleurs, il y en a énormément. Voilà, il y en a plus d'une vingtaine. J'arrive à les souffler en un seul coup. C'est pas ça qui va m'arrêter. Allez, quand tu veux. Ok, c'est parti. Ok, on enlève ça aussi, ça aussi. Ok, celui-ci aussi. Regarde, tu vois, je m'en sors, Ryder. C'est pas assez rapide, dépêche-toi, imagine que c'est dans une situation réelle. Je ne suis pas là. Ah oui, excuse-moi. Allez, regardez. Hop, j'arrête. Ryder. Ah, ça brûle. Ça brûle. Non, faut être courageux. Allez, tu vas éteindre ce feu. Ah, mais Ryder, ça m'a brûlé les fesses. Je m'en fous. Tu vas éteindre le feu. Mais c'est trop dur. Moi, j'ai besoin d'un canon à eau pour éteindre. Ah, espèce d'imbécile, regarde, tu n'es pas compliqué. Tu fais ça, comme ça et comme ça. Oui, mais c'était trop dur. Et je me suis brûlé à cause de toi. Épreuve foirée, ce sera pas Marcus non plus. Quoi? Mais non, c'est pas de ma faute. C'est le feu, il m'a touché les jambes et ça m'a brûlé. Justement, c'est le but d'un policier. Le policier ne craint pas le feu, il est courageux, comme j'ai dit juste avant. Tu veux dire le pompier? J'ai dit quoi? T'as dit le policier. Bah, après, le policier est courageux aussi, hein. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai l'impression que je ne suis pas digne d'être un acolyte de Marcus et de Chase. Non, aucun des deux. Il te reste que deux chiens. Deux chiens? Aïe, il me reste qui? Il te reste Ruben et Rocky. Ruben? Attends, j'ai déjà entendu ce nom. C'est qui Ruben? C'est le chien jaune. Le chien jaune. Il creuse des trous. Ok, c'est parti. Allez, vas-y, passe-moi une pelle et je vais creuser l'énorme, le plus grand trou possible au monde. Non, tu vas creuser ça, là. Vas-y, bah c'est parti, il me faut... La pierre. Bah, il me faut quelque chose, là, pour que je puisse creuser. Je vais augmenter la difficulté, attends. Je vais augmenter la difficulté. Bon, en attendant, les amis, vu que je suis censé être l'acolyte de Ruben, si je me trompe pas... Tiens. Alors, il me faut des outils. Une épée? C'est tout? T'auras droit qu'à ça pour casser le sol. Ouais, non, ça va pas Ruben suffire. Ruben en est capable. Regardez. Si, Ruben en est capable. Attends. J'ai quelque chose. Je vais me faire des petits trucs. Puisque moi, sur Minecraft, je m'y connais. Je sais comment farmer les outils nécessaires pour creuser. Donc, on va tout de suite commencer par faire, du coup, des planches de sapin. On transforme ça. D'ailleurs, repasse-moi le pistolet, par contre. Oui, effectivement, désolé. Parce que là, j'ai de quoi te plaquer en tôle. Ouais, bah attends, c'est bon. Tu me l'as confisqué. C'est bon, tu le gardes. Ouais, c'est bien, je préfère. Bon allez, t'as plus qu'une minute. Ok, c'est parti, regarde. T'as vu, je sais faire des outils pour creuser. Super, bah grouille-toi, tu vas creuser dans le ciment là. Ouais, c'est parti. Allez. Et sur la route aussi. Ok, let's go, regardez les amis. Vous allez voir tout de suite dans quelques instants qui est le plus grand creuseur au monde. Et ça va être moi. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Puisque oui les amis, le grand Cheeseman sait faire des choses incroyables. Hop. Ouais, je t'ai pas donné les compétences qu'il faut. Énergie, patience et force. Eh, tu vois pas, regarde mes biceps. Tu vois pas là, j'ai trop de force. Ouais, non. Ouais, oublie en fait. Ouais, continue de creuser, creuse. Aïe. Juste oublie pas que moi je vais à la salle une fois par mois. Je peux dire que j'ai des gros biceps. Non, à la limite, tu regardes la salle, mais c'est tout. C'est si. Bah non. Si. Oublie pas que moi, je suis le chef de la patte patrouille, je dois contrôler tous mes chiens. Toi, tu fais des vidéos et c'est tout. Oui, bah, moi, je vais à la salle dans Minecraft. Tais-toi, creuse ou je te recale. Ok, c'est bon. Bon, regardez les amis, je vais essayer de lui faire le plus grand trou au monde. Il faut vraiment que je l'épate. J'ai absolument envie de me faire adopter par la patte patrouille.
J'ai envie que ça soit mon petit papounet d'amour. Alors tu feras gaffe, il commence à faire de plus en plus chaud, il y a un volcan en éruption là-dessous. T'inquiète pas, moi je crains pas la chaleur. Juste mon petit papounet, tu veux pas m'encourager? Non, c'est mort. Allez, t'es censé être mon papa. Je ne suis pas encore ton papa, je te rappelle. Et oublie pas que sur le terrain, t'auras pas d'encouragement. Oui, bah j'aurai peut-être des encouragements des spectateurs. Eux, ils vont m'encourager au moins. Donc en gros, tu veux que les gens t'encouragent pour creuser un trou? Bah oui, parce que c'est pas évident. Bah c'est pas évident, Ruben peut le faire. Hein. Et pour autant, il est pas encouragé. Bon, maintenant, épreuve suivante, tu dois remonter. Remonter. Attends, mais j'ai même pas d'échelle. Et bah justement, Ruben en serait capable, tu dois remonter. Mais j'ai pas d'échelle, mais je suis pas un chien, moi j'ai pas de super pouvoir, je peux pas remonter. Lui non plus il a pas de super pouvoir. Oh mais comment je fais alors pour remonter? Ah ça c'est à toi de trouver, hein. Bon, je te laisse pendant une minute réfléchir. Non mais les amis, sérieusement, comment moi je fais pour remonter? J'ai pas réfléchi. Ah, et j'ai oublié, si d'ici une minute t'es pas remonté, t'es recalé. Oh, je crois que je suis vraiment pas digne de faire partie de la patte patrouille. Oh, j'ai trop le seum. Bon, les amis, encouragez-moi en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Je veux plein d'abonnements sous cette vidéo. Bon, je vais essayer de réfléchir. Peut-être que si on creusait, hop. Ouais, je pense que je vais creuser comme ça. Ouais, je vais creuser. Ah, mais attendez, je sais. Attendez, hop, mais oui, j'ai juste à faire ça. Hop, 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 hop. Tada, je suis remonté. Et maintenant, comment tu rebouches? Faut tout reboucher, là? Ah oui, t'as fait un trou dans la rue. Faut reboucher. Oh, mais il fallait me le dire avant. Non, non, c'est le devoir d'un... Mais non, mais c'est trop dur. En plus, là, je suis essoufflé. Allez, laisse-moi me prendre un tout petit peu de repos, voilà. Recaler. Quoi? Recaler. Comment ça, recaler? C'est mort, t'es recalé. Mais non, mais regarde ton trou, je l'ai creusé. Je peux être au moins l'acolyte de Ruben. Non, non, t'as pas fait toutes les compétences que je t'ai données. Oh, t'es vraiment nul, je vais aller pleurer. Il te reste un seul chien. C'est bon, je te parle plus. Il te reste une dernière chance. Libre à toi de venir ou pas. Hein. Bah j'espère que tu me donnes un truc facile cette fois-ci. Alors cette fois-ci, tu vas essayer d'être l'acolyte de Rocky. Rocky? Attends, mais... C'est pas le mec qui recycle les poubelles? Exactement. Attends, donc t'es en train de me dire de me transformer en éboueur, là? C'est ça, à peu près, ouais. Mais en plus stylé, parce que t'es l'acolyte d'un chien. Ah, ok. Bon, bah, apparemment, je... Attends. Ouais? Je t'ai pas donné les compétences. Énergie, patience, mais qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Force pour déplacer les poubelles, évidemment. Force, et aussi force mentale pour respirer l'odeur, quoi. Ouais, j'avoue, bon esprit. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense que les amis, ça, ramasser les poubelles, ça va être une tâche un peu plus simple que les autres. Je vais probablement la réussir. Et si je la réussis, si j'ai bien compris, je fais partie de la patte patrouille. Exactement. Let's go! Les amis, regardez, vous allez voir, d'ici quelques secondes, je vais enfin faire partie de cette famille. Et on commence tout de suite par les nombreux poubelles que nous avons dans cette rue. Alors ici, est-ce que nous avons une poubelle? Ici, on a une petite poubelle, donc je vais la ramasser, hop. Alors tu feras gaffe à ce qu'il y a à l'intérieur des poubelles. Je suis obligé de regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, va falloir les vider ou... à un moment. Ah mais oui, il faut les vider et les recycler en fait. Ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est parti. Alors ici, regardez, nous avons la poubelle du voisin. Qu'est-ce que nous avons? On a du sang, on a des squelettes, on a des pommes de terre périmées. Et on a une dynamite. Wesh, chelou ça. Ok, bon, au moins, je retire tout ce qu'il y a dans la poubelle. Et je vais devoir faire le tri. Donc, en attendant, Ryder, je te laisse mettre un côté lave et un côté, je sais pas, tu mets une autre poubelle pour que je puisse faire le recyclage. Super, bien. Évidemment, tu devrais trouver tout seul laquelle est pour recycler et laquelle est pour tout simplement laver et réutiliser. Ouais, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Allez, ici aussi, on retire les mêmes cochonneries que nous avons et on termine par cette dernière maison, la dernière maison de Peppa Pig. Voilà, on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur et je vais enfin pouvoir trier tous les objets que j'ai pu récupérer. Ok.
Donc... Alors, d'un côté, tu as de la fausse lave et de l'autre côté, de la vraie lave. La fausse lave, évidemment, c'est pour le recyclage et la vraie lave, c'est pour les déchets. Ok, donc là, c'est la vraie lave. Alors, on va pouvoir mettre le sang qui n'est pas recyclable, le squelette aussi, pareil, les dynamites sont recyclables, la poubelle aussi. Ok, et ça, pomme de terre à l'intérieur, hop, hop, hop. Tada ! Eh ben, c'est tout ? C'est fini ? Ouais, j'ai tout mis ! Eh ben, maintenant, faut reboucher. Faut reboucher, hop, t'inquiète pas, je sais le faire, hop, hop, hop. Bon, c'est... je vais le remettre correctement. Mais c'est que c'était pas trop mal, là, ma parole. Donc ça veut dire que je fais partie d'un pas de patrouille ? Ouais, je pense que je peux dire ça. T'es l'acolyte de Rocky. Je lui enverrai un message. Let's go ! Du coup, je peux t'appeler mon petit papounet d'amour ! Ouais, dose quand même. Et si, maintenant t'es mon petit papounet d'amour, tu dois t'occuper de moi. Maintenant, je suis ton gosse, je suis ton petit chien. Ah non, 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 moi je te refile à Rocky, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Allez, bonne journée, hein. Salut, salut. Hein. Eh non, mais attends, 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 pousse. Attends, mais Rocky, c'est juste mon maître, enfin mon maître de stage. Toi, t'es le directeur de la patte patrouille, donc t'es un peu le papa, ah, quoi. Oui. Mais moi, je dirige Rocky. C'est mes enfants, les chiens. Toi, t'es son disciple. Du coup, c'est ton père. Allez, salut. Non, non, c'est toi, mon papa. C'est toi, mon papa. Tu es mon papa. Tu restes non. Mon papa. Non, Ryder, je veux que tu sois mon papa. Non, non, c'est Rocky. Bon, bah les amis, je crois que mon papa est un chien et il s'appelle Rocky. Bon, bon, de toute façon, tout ce que je sais, c'est que je vais pouvoir entrer dans la tour quand je veux, si je veux et où je veux. Je peux rentrer, non ? Attends. Tiens, voilà, un double des clés. Ok, merci. J'ai le double des clés. Let's go ! Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent sur votre écran et on se dit à la prochaine!